Allô, allô, ouais, je salue ma couille, la forme. Ça gaze. J'espère que t'es prêt à prendre ton pied. Parce que sur cette chaîne, c'est l'éclate. Mais on se prend des barres. On se tape des barres, mais du matin au soir. On se marre, mais tout le temps. Franchement, je comprends pas. Pourquoi j'ai que 17 abonnés, bordel de merde. Sérieusement. Pourquoi? Non, en vrai, je dis ça, mais j'en ai un peu rien à foutre. J'en ai un peu rien à foutre du nombre d'abonnés, honnêtement. Honnêtement. Ouh. Et là, certaines personnes me diront, mais Julien, mais tu fais YouTube, mais t'en as rien à foutre de ton nombre d'abonnés? Non, parce que moi, je fais pas. Putain, merde. Ça pique là-dedans. Je fais pas YouTube pour être connu, moi, je fais YouTube pour. Comment on peut appeler ça? Vous savez, quand on dit des musiciens et des écrivains utilisent leur livre ou leur musique comme exutoire, voilà ce mot exutoire. Vous savez ce que ça veut dire exutoire? Ça veut dire sortir, dire ce que tu ne peux pas dire dans la vraie vie. En gros, c'est ça un exutoire. Et bien, YouTube, c'est mon exutoire, c'est-à-dire. Merde. C'est-à-dire que j'utilise YouTube pour dire tout ce que je ne peux pas dire dans la vraie vie, tu vois. Et ça marche très très bien. Très très bien. Oh, pas mal ça. Est-ce que je chope ça maintenant? Ah, je ne pense pas. Oh, ça aussi c'est pas mal. C'est bizarre, c'est un secret. Mais d'un autre côté, il est mis juste en face d'un truc indispensable à l'histoire. Du coup, c'est plus vraiment un secret, tu vois. Est-ce que tu vois ce que je veux dire en disant ça? J'espère. Oh! J'ai pas trop aimé la porte qui s'est ouverte comme ça, sans que je puisse avoir le choix de réagir. Bon, ça reste un gros bonhomme dégueulasse, hein. Il a la même santé que les autres. Il est mort du coup. Tout simplement. Ah, il y en a un autre là, ok. Invulnérabilité, ça veut dire que je peux marcher dans le verre. Yes, c'est cool. Voilà, il reste autant mieux vulnérable que les autres finalement. Il y a de la vie ici. Mais par contre, le verre là, c'est un peu chiant. Le verre par terre là. Quoi? C'est quoi? Pourquoi il y a de la musique de malade là? Ah, parce que je dois aller à droite. Mais je peux pas aller à droite. Enfin, je veux bien, mais je dois aller. Je sais rien, moi je dois traverser un mur, je dois faire quoi? Allô? Ah, voilà! Ouais, c'est bon, hein, c'est bon. Hein. Ben voilà, ça va très bien comme ça aussi. Ah, il y en avait deux. Il y en avait deux. C'est rigolo ça, il y en avait deux. Il y en avait trois. Il y en avait trois en fait. C'est rigolo ça. Bon, il reste là-bas, donc j'en profite un peu. Hein. On va pas se mentir. Voilà, ça me va très bien moi aussi. Du coup, je peux mettre mon crâne là-dedans, très bien, si je veux, parce que j'ai le crâne jaune. On rappelle ça. Ou alors, je peux retourner là-bas et voir si la porte s'est ouverte. À mon avis, non. Effectivement, non. La porte ne s'est pas ouverte. Mais pourquoi pas en fait? Pourquoi elle s'ouvrirait pas cette porte? Hein? On veut me priver de mon bonheur, c'est ça? Moi j'apprécie pas trop ça. Hein. Par contre là ça s'est ouvert, ok. Je prends note. De ce côté là ça s'est ouvert. Non seulement il y a ça par terre, qui est notamment Pinky, un monstre bien connu de l'univers de Doom. Non je rigole, je viens de découvrir. Et ça surtout. Je crois que c'est le dernier. Hein. C'est le dernier qui nous manque.
Eh oui. Ah non, c'est pas le dernier, il en manque encore un après. On a plus de mun. Ça fait plaisir, ça. Vous avez entendu cette voix de l'enfer que je viens de faire? On a plus de mun. C'est digne de Satan, ça, non? Presque. On pourrait y croire. Bref. Pourquoi il y a une zone grise là-bas? J'ai pas encore été là-bas? Merde, j'aurais dû y aller. Oh, ça me fait chier, ça. J'aurais dû y aller plus tôt. J'ai raté un truc en arrière. Est-ce que je peux y retourner? Non. Tout simplement parce qu'il fallait venir de... Oh, parce que je suis tombé de en dessus, je crois. En fait, non, je sais même plus comment je suis arrivé là, en fait. Vous vous rendez compte? Je sais plus comment je suis arrivé là. Et oui, je voulais vous dire un truc. J'ai remarqué sur des anciennes vidéos, enfin, sur une en particulier, vers la fin de la vidéo, il y a un bug de son. C'est là où je bats le gros boss géant dégueulasse. Il y a genre ma voix qui part en couille, parce qu'elle est mal enregistrée ou j'en sais rien. Mais c'est bizarre. C'est bizarre, ça me fait chier. Si vous avez la solution au problème, dites-moi, je ne sais pas de quoi ça vient. Ah, mais quelque chose me dit que je vais devoir repasser par là plus tard. Donc finalement, c'est pas vraiment un problème. Wow, qu'est-ce qui se passe? Ah putain, j'ai cru que c'était la Terre qui tournait, mais en fait non. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, l'arnaque! Ils sont où? Ça lui fait du bien celui-là. Ah, lui aussi ça lui fait du bien. On les calme un petit peu. Il s'était pris? Non, il s'était pas pris. Ouais, maintenant il s'était pris. Tiens. Ça reste compliqué à la manette, hein. Ça reste compliqué, on va pas se mentir. Voilà, merci. On nous fait un petit coup de tronçonneuse dans la gueule et toi on fait ça. Merci. Ça le one shot, très bien. Je commence à apprécier ce module d'armes. Plus que ce que j'imaginais. Voilà, merci. Deux coups. C'est parfait, ça me va très bien. Ok, mis à part ça, est-ce qu'il n'y aurait pas... Est-ce que je peux l'avoir avec ça? Apparemment oui. Ça m'a utilisé 4 barres de tronçonneuse. Putain, ça commence à être beaucoup. Est-ce que j'ai raté des secrets là-bas? Mais là-bas c'est juste un éclair, donc finalement on s'en fout. Ça a l'air d'aller. Peut-être que j'aille là-dessus. Bon, il faudrait clairement que j'aille là-dessus. Oh, il y en a encore un en fait. Voilà, merci. Voilà, il faut que j'aille là-dessus. Je crois qu'il est ça. Je sais pas trop pourquoi. Mais il faut que j'active ça. Pour aller là. C'est vrai que j'ai ça, c'est vrai que j'ai le Big Fucking Gun, putain, j'y pensais pas. J'y pensais pas. Ça peut m'aider à remonter. Ça c'est quoi? C'est un téléporteur? Oula! Il était crucifié. C'est un peu le Jésus des temps modernes, lui. Non? Le Jésus des démons? Attends, c'est trop tentant ce qu'il y a là. Mais je suis où là en fait? Je suis dans une toute nouvelle zone. Ok, bah soit. Je vois pas du tout où je dois aller, mais... Oh, le crâne bleu! Ah, voilà, c'est ça qu'on voulait. Non, franchement, j'ai vu qu'il y avait certains tests en ligne qui se plaignaient de... Qui se plaignaient de l'enfer. Du level design de l'enfer. Que c'était très moche, très mal fait. Et qu'on s'amusait pas du tout.
Moi je trouve pas. Mais qui c'est qui me croque là? Pourquoi il y a des ennemis invisibles? C'était lui qui se cachait vraiment. Frappe-le, touche-le s'il te plaît. Voilà, merci. Parce que j'avais l'impression qu'en effet, on me balançait d'autres trucs à la gueule. Oui, je l'ai vu. Ne vous inquiétez pas, je l'ai vu. Hop, 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 hop. On va aller chercher lui. Il est où? Il est passé par là? Non? Il est là. Il y en a deux en fait. Voilà, c'est bon. Oh, il y a ça. Oui, j'appelle ça. C'est vraiment une chose. C'est pas un... Ok. Putain, il fait mal quand il croque lui, hein. Il fait vraiment mal quand il croque, hein. Faut pas se mentir. Oh non. Oh merde. Si je tombe, ça va pas. Cours. Il est mort. Quand il y en a un autre. Putain, ok, je savais pas que tu pouvais sauter comme ça. Ok, ça c'est bon. Oh merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est le diable. C'est Satan. Attends, il me faut un truc contre Satan, il me faut ça. Ouais, ça marche bien contre Satan, ça. C'est le dernier, on est d'accord. Oh, il y a encore un gros. C'est bon, il est mort. Putain. En vrai, c'est pas dur, hein. Vous l'avez vu quand je me suis débrouillé, c'est pas dur. C'est juste qu'il faut choisir les bonnes armes au bon moment, quoi. C'est tout. On a eu tous les secrets dans la salle là-bas. Oui. C'est pas censé s'ouvrir ce truc. Oui, ça s'est ouvert en effet. Où suis-je maintenant? Ah, c'est tout simplement la salle que je cherchais à atteindre. Mais comme la vie est bien faite. Puis là-dessus. Nul ne pouvait faire face à la horde, hormis le tueur de mort. Le désespoir le précédait comme un fléau, diffusant la peur chez les habitants de l'ombre, ouais. Les repoussant dans des trous toujours plus sombres et plus insondables. Mais des profondeurs de la... Je peux aller là-bas. Ou là-bas. Non, là j'ai déjà été, c'est le crâne jaune, ok. En fait, j'ai raté aucun secret. C'est pas mal. Ça surgit le géant. Un champion plus puissant que tous ceux qui l'avaient précédé. Le titan, dont la force et la férocité étaient sans pareil. Il parcourut la plaine pour affronter le tueur de mort, et une grande bataille se déroula sur les terres désolées. Le titan combattit avec la fureur des innombrables victimes, décimées de la main du tueur de mort. Ouais. Mais il tomba, et sa défaite entraîna celle de la horde des ténèbres. Je crois que le tueur de mort, c'est moi. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, vas-y, on avance par là. Prends ça. Ouf, il va y avoir un gros combat là au milieu, je pense. Hein. Ouais, ça m'étonnerait que ça soit autrement. Ils sont où? Ils sont là.
tout à péter. Bon, je vais garder pour plus tard ça. Ce truc, la sphère lumineuse qui est au milieu là, je vais garder pour plus tard, je pense. Oh, Dieu. Bon, en vrai, j'ai plus besoin de ça. Même pas ça en fait, plus ouais, vas-y, on prend ça et puis on les trace. Même lui. Hein. Voilà, ça va très bien. Y a rien de dur honnêtement dans le jeu, rien. Du moment que t'es méthodique et organisé, tout est facile. Oh merde, y a l'invocateur. Mais il faut que je bute avec ça. Parce que j'ai un haut fait si je le bute avec ça. Voilà, vous avez vu? Haut fait, maîtrise d'armes. Et voilà. Pas trop dur, hein. Faut pas se mentir. Il y en avait un là-bas, non? Ah, il est là. Il y a encore un invocateur. Je vais encore pouvoir avoir un au fait. Un au fait. Il est où? Il est là. Un deuxième au fait. Eh oui, c'est gratuit. Oh merde. Oh, il y a Satan. Il y a Satan! Voilà, merci. J'ai plus de munitions dans mon shotgun, vraiment. C'est vrai que j'ai ça au milieu, putain, j'oublie d'aller l'utiliser. Mais bien sûr que j'avais des munitions dans mon shotgun, pourquoi il l'a pas pris alors? Oh, c'est Berserk en plus. Le meilleur truc du jeu. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Sérieusement, ils sont où? Tiens, ils décident. Putain. Il décide de disparaître quand je commence à avoir ça. Bon, ben voilà, j'ai fini. Oh. Ah, je viens de découvrir que je pouvais aller en haut. Okay. Ah, mais c'était la salle du début, en fait. Bah oui, c'était la salle du début. Ah, je suis content, j'ai eu mes hauts faits. On peut mettre ça là-dedans, maintenant. Olivia Pierce, ça veut dire qu'on va affronter Olivia Pierce juste après? Possible. Est-ce que j'ai raté des trucs? J'ai raté une salle ici. Ah ouais, je me souviens très bien de quelle salle c'était. C'était la salle où j'arrivais pas à aller avant, mais j'arriverai toujours pas à y aller maintenant. D'un autre côté, il n'y a qu'un petit éclair là-dedans. Mais je suis trop curieux, je suis désolé, je suis beaucoup trop curieux. Ah, mais je peux pas y aller. Je peux pas y aller depuis là. Comment on y va déjà? Merde. Ah oui, par le haut. Avec ça, c'est ça. Tu fais genre hop. Tu vas là-bas en face. Ouais, sauf que je peux plus y aller, ok. Très bien. J'ai raté ma chance. Très bien, j'ai compris. C'est bon. C'est bon, pas la peine d'insister, j'ai compris. J'ai raté ma chance d'avoir le 100% dans le jeu. C'est ça. Ah bon, non, en fait, on a fini là, ok. Merde, j'ai raté plein de trucs. Tuer une âme perdue à l'aide d'une autre âme perdue. Alors, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Tuer 20 démons en utilisant des pouvoirs. Ah, j'aurais dû tout buter au berserk en fait, merde. Effectuer des glory kills vengeance céleste sur un baron infernal. Ok.
Bah bah merde, on n'a pas eu beaucoup de choses, mais bon, c'est pas trop grave. Moi je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi ça m'a beaucoup plu. J'apprécie beaucoup ce jeu. Je vous dis salut. Et à la prochaine. Allez, ciao.